Putain. Suis là. Alors, yo tout le monde, c'est JuraVenger. Et JuraVenger 17. Parce que cette vidéo, oui, elle ferait partie des deux chaînes. Et parce que dans les deux chaînes, je vais faire l'événement. Et cette fois, c'est réel. Et de quel événement je vais parler? De l'événement chapitre 3. Le dernier événement du chapitre 3. Et ouais. Bon. Je vais montrer deux événements. L'événement chapitre 1, saison 8, le dernier événement du chapitre 1, et l'événement chapitre 3, saison 2. Une pour un des événements pour JuraVenger, la chaîne, et l'autre événement c'est pour les deux, parce que j'ai pas fait sur les deux. Donc, là, je suis en train de bouffer des hamburgers et des frites. Et en même temps, je vais parler de l'événement. Et à la fin de la vidéo, je dirai ciao tout le monde, bis. Peace, plutôt. Et je montrerai la vidéo. Enfin, les vidéos. Alors, l'événement. Déjà, c'est la semaine prochaine, samedi prochain. Et pendant toute la semaine, je vais faire une vidéo par jour. Un live plutôt. Et sur JuraVenger Fortnite, JuraVenger 17. Ce serait pas, enfin, ce serait pas une vidéo par jour, mais une vidéo par samedi en fait. Donc je vais faire une vidéo ce samedi avant d'aller au Dolls. Et samedi prochain, avant que Kamza arrive, et le soir pour l'événement, bien sûr. Donc, ce samedi, il faut pas que je fasse de vidéo, enfin. Faut pas que je suis pas obligé de faire un train, mais la semaine prochaine, samedi prochain, il faut que je fasse top 1 sur JuraVenger et JuraVenger 10. Bon, sur JuraVenger, je peux faire, j'ai beaucoup de tentatives, mais sur JuraVenger, j'ai seulement bon, 1 heure pour faire un top 1 le matin et une partie pour faire un top 1 le soir. Parce que je vais faire. En fait, pour les. Enfin, la vidéo du dernier. Enfin, la dernière vidéo, je ferai. Je commencerai. Je sais pas, peut-être à 20h. Et voilà. Voilà, je commencerai à 20h. Et voilà. Je ferai une partie. Et après, j'arrêterai. Je mettrai en pause pour déjà quand on va rentrer dans l'événement. Parce que, en fait, je commence le live sur Avenger et la vidéo. Et la vidéo sur JuraVenger 17. Enfin, à la même heure. Et la première partie, ce serait dans les deux. Dans la vidéo et dans le live. Mais la deuxième partie, ce serait seulement dans. Enfin, mais les autres parties. Mais la deuxième partie, ce serait dans le live seulement. Mais. Ce que je vais faire, c'est que je. Bon,
même si ça commence à 22h, ils ont dit que 30 minutes après, 30 minutes avant, ça peut arrêter. Et voilà. Je préfère faire une partie et puis retourner au salon à chaque fois. Donc, normalement, Hamza, enfin, le père d'Hamza viendra. Enfin, non. Hamza viendra dormir pour participer à l'événement avec moi. Parce que je sais que s'il vient chez moi et qu'il part dans les 21h comme ça, il pourrait pas. Donc franchement, il devrait ou venir dormir ou partir à 19h comme ça, mais voilà. Et pour Olivier, c'est pas normal, il viendra dans le live. Je veux dire, il viendra dans le salon avec moi, quoi. Mais je peux vous promettre une chose, les gars. C'est que je vais faire vraiment l'événement en live. Parce que voilà, c'est chiant de faire tout le temps en vidéo juste parce que ça bug. Mais normalement, je vais cette semaine, cette année, je vais rester en bas. Donc l'événement tranquille, relax. J'espère. Mais de toute façon, il y a la vidéo au cas où si le live s'arrête. Ok les gars? Au cas où. Mais franchement les gars, je vais vous dire un truc. Si je fais un top 1, ou le matin après la vidéo, genre 20h17, ou le soir, ou pendant comme ça et là, je ne ferai pas de live le soir à 20h. Je ferai seulement la vidéo. Et voilà. Et pour j'aurais envie de dire 17 aussi. Si je veux un top 1 aux 10 minutes. Enfin, aux 1h du matin. Je ne ferai pas de vidéo non plus. À 20h. Je commencerai la vidéo et le live. Je sais pas, 30 minutes avant. Enfin, je commencerai la vidéo et le live quand on serait dans l'événement en train d'attendre. Ok, là? Bon, la vidéo, bien sûr, je pourrais faire une pause. Enfin, je pourrais faire pause pour. Voilà. Mais. Ce que je vais faire, c'est faire la vidéo le matin de 1h, mettre chargé toute la journée et le soir, je fais l'événement en vidéo aussi. Voilà. Et pour la semaine, je vais vous le dire aujourd'hui, comme ça, le jour de. Parce que la semaine prochaine, je vais faire une autre vidéo. Mais cette fois sur le chapitre 4. Là, c'est juste sur l'événement. Mais je vous dis quand même les personnages que je vais faire avant, que je vais prendre avant l'événement. Bon, en fait, les villes, ça sert à rien, car vous allez de toute façon voir. Donc voilà. Lundi, j'utiliserai. Comment il s'appelle? Enfin. Une minute.
Alors, cette semaine, mission. Ça, c'est le scientifique, je crois. Ah non, le visiteur. Oui, mais je veux les noms avec le visage. Le visiteur, le paradigme. Alors, j'ai le paradigme, l'onirisme. La fondation. Non. Non, j'ai la fondation, l'onirisme. Le visiteur, je l'ai pas. J'ai l'origine. Le paradigme. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai 4 styles, donc samedi, ce serait. D'accord. Samedi, ce serait la fondation. Mardi, ce serait ou l'onirisme ou l'origine, j'ai oublié. Et mercredi, la même chose. Et paradigme, ce serait mercredi. Jeudi. Vendredi, j'utiliserai ou la citrouille. Non, non. Ouais. Si je débloque avant vendredi, la citrouille chromée, j'utiliserai la citrouille. Et voilà. Ça va? Voilà. Donc, la fondation, l'onirisme ou l'origine. L'origine ou l'onirisme pour mardi et mercredi, quoi. Le paradigme, jeudi. Et si je débloque la citrouille chromée avant vendredi, ben j'utilise vendredi. Mais si je le débloque vendredi, j'utiliserai Spider-Man vendredi. Et samedi, j'utiliserai la citrouille chromée, Spider-Gwen et Iron Man, bien sûr, pour le dernier, pour la dernière partie, bien sûr. Et bien sûr, si c'est avant vendredi que je le débloque, ce serait vendredi le chromé là, la citrouille chromée, et Spider-Man prendra la place de la citrouille chromée du samedi. C'est-à-dire samedi, Spider-Man d'abord, Spider-Gwen après, et Iron Man à la fin. Voilà. Voilà, c'est tout. Et faudrait que je fasse déjà un top 1 la semaine prochaine. Et cette semaine aussi, mais la semaine prochaine, il faut que je fasse un top 1 avec un des 5 skins. Et samedi, il faut que je fasse le dernier top 1 aussi. Mais obligatoirement.
Bon, vous savez quoi, je vais vous dire le nom des... Enfin, les villes que je vais aller. Ah ouais, et Polo est revenu enfin. Après un moment. Alors, photo. T'es chiant, tu sais. Bon, entrer dans ma chambre. Non, tu peux pas. Ou pas. Vous verrez la semaine. Bon. J'ai pété la muscle. Une minute, je reviens. Voilà les gars, regardez. Donc c'est pas le truc du chapitre, mais voilà. On sait pas. Mais voici le truc de l'événement, les gars. Ça n'a pas l'air trop cool. Et regardez ça aussi, les gars. C'est cool les gars. Bon, attendez. C'est la fin de l'événement, de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais vous montrer les deux événements. Chapitre 1, saison 10. Et chapitre 3, saison 2. Allez. C'est tout le monde. Peace.
construire pour tout ça à l'infini. Toi aussi, tu veux construire ça à l'infini. T'as un truc de merde sur les gars. Thank you.
Je sais qui appeler. C'est à toi de jouer, mon pote. Oh, ta gueule. Dernière parole, Jones.
La semaine prochaine.